Salut, c'est Colmillazad. Aujourd'hui, vidéo un peu différente où je vais aborder un genre d'épisode de la série Marvel What If sur la question de l'immortalité. Bien, mettons-nous d'accord, l'immortalité c'est quelque chose qui a peu de chances d'être découvert, ou en tout cas pas avant longtemps, et possiblement grâce à une méduse immortelle dont je ne prononcerai pas le nom latin parce que je ne suis pas fou. Évidemment, sur tout le bestiaire de ce monde, fallait que ce soit une méduse. Purée. Non mais j'adore les méduses, hein. Surtout quand il y a une vitre entre nous, quoi. Bref. Admettons qu'on arrive à devenir immortel, tous de manière égale, en oblitérant le fait que si ça arrivait vraiment, ce serait réservé à une élite comme dans le film Elysium, comment le monde tournerait avec uniquement des personnes immortelles? Alors, évidemment, la réponse dépend du type d'immortalité. Est-ce qu'on est immortel et invulnérable aux maladies, ou est-ce qu'on ne peut périr que par l'action d'une personne? Je dirais pas le mot sur YouTube. Si on devient invulnérable aux maladies, il est clair que l'industrie médicale serait la première à s'effondrer, avec des conséquences difficiles à prévoir. En revanche, si, comme dans certaines œuvres d'anticipation, on ne peut pas mourir à part si quelqu'un s'en charge, on vivra certes pour toujours, mais dans la crainte perpétuelle que quelqu'un y mette fin. Ouais, vous imaginez un peu le cauchemar, quoi. Et puis, est-ce qu'on continuerait de faire des enfants? Après tout, on en fait principalement parce que nous ne sommes pas immortels. Et puis, si on continue d'en faire, on serait encore plus vite en surpopulation. Et pourrait-on rester avec le même âge? Imaginez qu'on fasse juste disparaître la mort dans certains comptes SCP. Quoi, je ramène SCP tout le temps, vous voulez vous battre? Je vous prends 1v1 sur Smash Bros. En vrai, j'ai pas joué depuis des mois. Bref, si c'est juste la disparition de la mort, c'est horrible en fait, on finirait par devenir des zombies conscients. Finalement, est-ce que ce serait une bonne chose? Bon, je pense que vous devinez mon avis. Personnellement, je pense que c'est la mort qui donne de la valeur à la vie, et passer son temps à la craindre, c'est aussi oublier de vivre. Ok, bon, c'était une fin un peu trop sérieuse pour une petite vidéo What If, mais c'est un sujet que je trouve passionnant, notamment grâce aux différents films avec le personnage Wolverine, où on voit clairement qu'être quasiment immortel, c'est loin d'être dépourvu de tout inconvénient, croyez-moi. Vous en pensez quoi? Vous aimeriez être Wolverine? Ou vous ne voyez que les inconvénients d'un monde sans mort? Pensez à me donner votre avis dans les commentaires, partager la vidéo, vous abonner pour ne rater aucune vidéo, laisser un j'aime et activer la cloche. C'était Colmillazad, ciao!